Chaque écrivain ascétique, Gandon les connaissait, d'où le recueil d'un humour discret intitulé « Usage de faux », dans lequel on trouve un pastiché savoureux d'écrivains tels que Duhamel, Alphonse de Chateaubriand, Morand, Mauriac, Mauroy, Céline, Colette, Drieux de La Rochelle, Malraux, Roger Martin Dugard et quantité d'autres, à la fois pastiche du genre et pastiche du style. Le démon du style, paru en 1938, c'était à la fois un livre de principe et un livre de critique. Ce livre lui mérita le grand prix de la critique.